initié depuis 3 ans, Diable Rouge Concept est sans doute un projet qui va révolutionner les mentalités dans le milieu congolais, non seulement au pays, mais aussi dans la diaspora. Nous sommes aujourd'hui à Casablanca, où nous sommes venus rencontrer des initiateurs de ce projet, qui vont nous dire essentiellement qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on entend par Diable Rouge Concept, d'autant plus que le nom en lui-même peut vous dérouter. Diable Rouge est le nom de l'équipe nationale du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, merci encore de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes au Maroc, dans le cadre de Parade, notre émission qui consiste à aller à la rencontre des hommes et des femmes qui font aujourd'hui la fierté de la diaspora congolaise. Voilà, on va sans doute vous les présenter rapidement, dont tels que vous les voyez ici. Ce sont des hommes qui ont pris l'initiative de monter un concept qui aujourd'hui va accompagner le changement des mentalités dans le milieu congolais. À ma droite ici, Vladimir, qui a été à l'initiative de ce projet. À ma gauche, Sidney Borgia, le coordonnateur. Van Manchette, ici présent avec le micro en main, qui est chargé de la communication dans le cadre de ce projet Diable Rouge Concept. Et enfin, aussi à sa gauche, donc Charles Gildas, qui lui a posé dans la compilation dont on reparlera aujourd'hui. Et vous avez aussi d'autres membres de l'association qui sont là présents et qui s'exprimeront tout à l'heure et ils se présenteront. Alors, je vais commencer par vous, Vladimir. Diable Rouge Concept. Oui. Comment arrive-t-on à mettre en place déjà un tel concept, si vous me permettez la tautologie? Et surtout, qu'est-ce qu'on entend par Diable Rouge Concept? D'autant plus que le Congolais lambda sait très bien que Diable Rouge, c'est d'abord l'équipe nationale. Diable Rouge Concept est né il y a 3 ans. Et c'est un projet né d'une fraternité réelle, j'ai envie de dire. Et ce projet regroupe une centaine d'artistes congolais, une nébuleuse de belles intentions. Et vous savez, chers amis de Ziana TV, vous savez que là, quand on parle de conscience collective, la force du nombre est un élément primordial. Donc il nous a fallu 3 ans de notre vie pour rassembler toute la communauté congolaise dispersée. Ça parle de solidarité. Diable Rouge, c'est bel et bien le surnom que porte notre équipe nationale, nos équipes nationales dans le domaine sportif. Donc cette compilation véhicule des valeurs qu'on retrouve dans le sport. Je peux en citer quelques-unes, comme le patriotisme, pour penser les plaies de la nation, comme la culture de l'effort, jumelle du travail bien fait, comme le sens du devoir, indispensable pour consolider les bases de l'avenir. Donc Diable Rouge Concept tourne autour d'un concept, comme son nom l'indique, Diable Rouge Concept tourne autour d'un concept. Et ce concept, il dit quoi, chers amis de Ziana TV? Il dit que la communauté congolaise réincarne une grande équipe qui joue sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Et elle a le devoir de représenter dignement le Congo, la patrie, partout où elle se trouve, en excellant dans son domaine de prédilection. Donc, comme une équipe, chaque Congolais est un ambassadeur naturel. Et il doit représenter dignement les couleurs du pays. Alors, chaque Congolais ambassadeur représentait dignement les couleurs du pays. Je vais me retourner vers vous, Van Manchette. Vous êtes en charge de la communication de ce projet. Qu'est-ce qu'il en est concrètement dans son effectivité, Diable Rouge Concept? Nous avons entendu les grandes lignes ici par Vladimir qui a été à l'initiative de ce concept. Aujourd'hui, comment est-ce que vous le véhiculez dans le milieu congolais? Aujourd'hui, généralement, la communication se fait sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook. Donc, nous avons une page qui s'appelle Planète Rouge, où vous trouverez effectivement toutes les informations relatives au projet Diable Rouge. Et si aujourd'hui votre chaîne s'est intéressée au projet Diable Rouge, c'est que le message a eu un écho favorable. Donc aujourd'hui, on compte quelques 400 personnes, 400 fans sur Facebook. Et nous sommes évidemment invités à toutes les cérémonies en fait qui concernent la culture. Hier, par exemple, nous avons assisté au forum qui s'est tenu à l'hôtel Impérial. Nous avons été invités pour exposer le projet Diable Rouge.
Et tout à l'heure, vous étiez avec nous, on a vu nos compatriotes à Sidi Maarouf, à qui on a exposé, comme on l'a fait il y a 2 semaines, à Firdaous, un autre faubourg de Casablanca. Donc c'est une technique de proximité à la fois sur Internet via les réseaux sociaux, mais également en contact direct auprès de nos compatriotes qui, eux, à leur tour, relaient l'information. Voilà, une technique de proximité auprès des compatriotes en appui avec les réseaux sociaux. Je vais me tourner vers vous, Borja. Vous êtes en fait chargé de la coordination de ce projet quotidiennement, outre les réseaux sociaux, outre cette proximité. Comment est-ce que ce projet se coordonne? Alors, ce projet se... Je vais prendre le micro. Alors, ce projet se coordonne de la même manière comme viennent de l'expliquer mes chers frères. On descend à la base. Parce que, si vous voulez, c'est cette chaîne de solidarité que nous voulons former. Donc, nous descendons à la base, donner l'information à nos compatriotes à la base, et relayer cette information. Alors, l'information que vous donnez aux compatriotes, c'est en fait cette action à laquelle nous avons participé cet après-midi. Bien sûr. C'est ce type d'action, en fait. C'est ce type d'action. Et évidemment, chacun de nous, dans son milieu naturel, là où il vit, chaque Congolais qu'on essaie de rencontrer dans nos milieux respectifs, à l'école, dans nos lieux de travail, on essaie de donner cette information via les flyers que nous avons pu concevoir ici, comme vous allez voir. Donc, leur donner l'information. Et nous également, nous recueillons leurs informations, notamment leur Facebook et leur adresse mail, de telle manière que nous puissions rester en contact permanent pour que nous puissions former cette formidable chaîne de solidarité, éventuellement réunir cette grande équipe qui joue sur tous les fronts. Bien avant que je donne la parole à Gildas qui a posé dans la compilation, j'aimerais que Van Manchette, que vous nous réexpliquiez exactement, peut-être pas réexpliquer, mais que vous nous dites qu'est-ce qu'il en est de cette compilation, en fait. C'est quoi cette compilation qui accompagne le concept du Diable Rouge? Alors la compilation, déjà, elle a été faite par la contribution de plus de 100 artistes, comme ça a été souligné précédemment. La sortie de l'album est prévue pour cet été, si tout va bien, si le chronogramme est respecté. Et dans la compilation, nous avons en majorité des titres qui ont une connotation hip-hop, pour la simple raison que le hip-hop, aujourd'hui, c'est le style musical qui parle le plus aux jeunes, étant donné que notre public est un public jeune. Donc nous avons choisi le rap, donc le hip-hop d'une manière générale. Et là-dedans, nous avons 38 titres. Ce sont des titres qui s'articulent autour des valeurs que prône le sport. Étant donné que Diable Rouge fait référence au nom de notre équipe nationale, donc les valeurs qui sont dans le sport, nous les avons tout simplement transposées en musique et sublimées en chansons. Et c'est ça, en fait, la compilation Diable Rouge. Alors, il y a un artiste parmi nous, si vous pouvez juste donner le micro à Gildas. Gildas, vous avez posé, en fait, dans cette compilation, notamment, sur une chanson, Réussite et succès. Tout comment à fait. Les choses se sont passées? Tout s'est passé naturellement. Naturellement, je tenais à remercier l'initiateur du projet, parce que moi, en tant qu'artiste, ça a été un aimable plaisir de pouvoir participer à cette compilation Diable Rouge Concept. Du fait que c'est un album qui parle de toute cette jeunesse qui, on a tendance à croire, qui est dans le défaitisme. Et j'ai été invité dans le morceau Réussite et succès, donc qui voulait tout simplement dire aux jeunes, pas la peine de baisser les bras, pas la peine de baisser la tête, il faut hausser la tête et nous pouvons avancer tous en chaîne de solidarité. Alors, avancer tous en chaîne de solidarité, ne pas baisser la tête, rester droit et continuer à poursuivre ses objectifs. Je veux revenir vers vous, Vladimir. Merci. Ce projet-là, en fait, aujourd'hui, il marche. Il fonctionne. Parce que ce projet prône des valeurs plus qu'attractives. Chaque fois que je m'approche d'un artiste, il a l'impression que je parle de son projet à lui. Et donc, dans ce projet est comme un miroir. Et ce miroir, il reflète simplement les espoirs ardents, les ambitions nobles d'une jeunesse réunie et rassemblée sur des valeurs salvatrices. Ces valeurs-là, aujourd'hui, j'aimerais que vous me disiez rapidement, si quelqu'un peut prendre la parole, de savoir comment est-ce qu'on les partage avec le pays d'origine.
ici, nous sommes au Maroc. Vous êtes tous, nous sommes tous ici, issus de la diaspora. Comment on les partage avec le pays d'origine? Vous étiez tout à l'heure, en fait, avec nous, à Sidi Maouf. C'est peut-être une première expérience pour vous. Et pour nous, c'en est peut-être la deuxième ou la troisième, et ça va se poursuivre. Vous avez vu l'ambiance dans laquelle nous avons baigné. Donc il y a un effet de contagion, parce que le fond du message, il est bon et il est naturel. Et nos compatriotes, quand ils reçoivent ce message, ils ont tout de suite envie d'adhérer au concept Diable Rouge. Donc par la communication, par notre simplicité, notre manière d'être, et aussi en mettant un accent sur la proximité. Donc on rencontre les Congolais chez eux, dans des appartements, et on fait un rappel à notre patriotisme, qui est le lien fort qui doit aujourd'hui unir les Congolais, faire un petit rappel de notre solidarité, qui doit aujourd'hui s'exprimer en termes de générosité entre compatriotes, faire la promotion des Congolais qui se distinguent dans leur domaine d'excellence. Et c'est tout ça, en fait, les moyens de transmission que nous avons de ces valeurs, justement. Adhérer à un projet, ce n'est pas chose facile. Il faut d'abord le comprendre et surtout vouloir y participer. Nous avons ici, parmi les personnes qui nous accompagnent sur ce plateau, Ghislain et Willy. Alors, on va commencer par Ghislain. Ghislain, qu'est-ce qui vous a emmené, en fait, à adhérer à Diable Rouge Concept? Bien, merci. Mais d'abord, Diable Rouge Concept, pour moi, c'est quelque chose de bien. Si j'ai adhéré à Diable Rouge Concept, c'est d'abord, c'est un nom qui reflète déjà mon pays. C'est une équipe nationale. Voilà. Et si j'ai adhéré Diable Rouge, pour moi, c'est aujourd'hui, ça, je me retrouve déjà dedans, dans Diable Rouge. Je me retrouve, je vois des valeurs de la nation. Voilà, je me dis que c'est mon rêve qui va se réaliser peut-être demain, puisque j'ai la foi. Dans Diable Rouge, je vois un chemin. Voilà. Tout ce que je projette demain, je le retrouve dans Diable Rouge. Merci. Se projeter et se retrouver dans Diable Rouge, est-ce que c'est aussi quelque chose qui a favorisé votre adhésion à ce projet, Willy? Bon, déjà, je dirais un grand merci à Ziana TV. Hein. Bon, déjà, me concernant, je dirais que je suis depuis toujours un grand adepte de la musique, musique avec grand M, hein, parce que je tenais, en passant aussi, que je suis DJ aussi, d'accord? Et donc, du fait, déjà, ayant la fibre musicale, bon, c'est vrai que ayant déjà pour premier écho, ayant eu que cela concernait, sachant que cela concernait la musique, déjà bon, cela a attiré mon attention. Et deuxièmement, en fait, en tant que représentant de la diaspora, c'est un peu, permettez-moi, comme si aujourd'hui, on mobilisait un peu ce qu'on appelle particulièrement des joueurs professionnels un peu à l'étranger, aujourd'hui, venir jouer un match sur les couleurs de Diable Rouge. Bon, là, je vais rester dans le cadre du football. Eh bien, ça ne peut que nous interpeller. Et donc, voilà pourquoi, du coup, effectivement, ben, j'y ai adhéré sans hésiter. Alors, quelque chose, je vais revenir vers vous, Vladimir, comme ça, on va voir. Quelque chose qui a fait aussi que... Qu'est-ce qui a motivé, en fait, les musiciens pour rentrer dans ce projet? Vous avez cité le nombre de 100 musiciens qui sont rentrés dans ce projet. Comment est-ce que vous allez les chercher et où? Ben, j'ai parcouru... j'ai parcouru le monde. En fait, ça m'a pris 3 ans, comme je l'ai précisé par ailleurs. Et je suis allé à Paris, je suis allé au Maroc, je suis allé au Bénin, je suis allé, bien entendu, chez nous, au Congo-Brazzaville. Et j'ai parlé de ce concept à tous ces artistes. Et ils ont tout de suite adhéré pour la simple raison, parce que ce concept prône des valeurs. Les valeurs du patriotisme. Et quand on parle de patriotisme, on parle forcément de fierté nationale. La fierté nationale, c'est peut-être c'est être fier de nos institutions, c'est être fier de nos artistes, c'est être fier de notre drapeau. Et le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir, je pense que c'est l'estime de soi. Donc voilà ce qui a enthousiasmé ces artistes. Donc ils voulaient simplement laisser une trace et servir la patrie.